Mais m'a dit aujourd'hui, même si tu fais une erreur, ou pas de faire ça pour te faire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou comment dire, bon Dieu, pardon pour son pas de faire, mais pas vivre dans la tristesse, vivre dans la joie. Chers frères et sœurs, distingués amis visiteurs, chers auditeurs sur YouTube, Facebook, téléphone, que la paix et la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Nous sommes contents ce sabbat matin de nous retrouver dans la présence de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité. Nous voulons remercier l'Éternel pour la grâce qu'il nous a faite. Après avoir passé une semaine de dur labeur, de toutes sortes d'activités exposées aux accidents et dangers, l'Éternel nous a conservé le souffle de vie. Nous disons que son Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Je me rappelle dans une semaine de prière organisée par la coordination franco-haïtienne en ce temps-là, c'était avec Dr. Jose Lange Joseph, où les pasteurs devraient prêcher partout dans les églises, qui avait pour thème « Quand Satan veut nous étouffer, l'Éternel nous donne son souffle. » Nous n'avons rien à craindre. Quand Satan t'a voulu étouffer nous, bon Dieu a ban nous souffler, n'a pas vivre encore. Nous remercions l'Éternel pour les musiciens, les chants, corps siégeant avec nous. Et nous voulons le remercier pour les chants. Et Harmonie Céleste, nous sommes bénis. Peut-être nous sommes capables de dire nous n'avons pas besoin d'entendre des messages encore, nous faut entendre des preachers, n'est-ce pas vrai? Nous avons oublié tout ça. Qui est le titre de message liant? C'est temps pour nous capables de laver spirituellement. This is the time for a spiritual wash. Est-ce que nous croyons ça? Why this is the time? Because there is no more time. Jesus is coming. What you see around you, you say there is no more time. Est pas vrai? Ça qui passe en Ukraine là aussi, there is no more time. Après, si je dis que ce n'est pas ton jour spécial, nous avons fini à message, ça va vrai? Nous avons déjà dit, Seigneur, lavez-nous. Et puis nous finis. Mais est-ce que nous sommes willing to be watched? Est-ce que nous voulons pour l'Éternel laver nous? Est-ce que nous voulons pour laver l'esprit nous? Est-ce que nous voulons pour laver le cœur nous? Est-ce que nous voulons pour le purifier nous? Si c'est moi qui t'ai prêché ce message-là, nous avons dit tout le monde qui voulait camper et nous avons prié, nous avons râlé. Mes chers frères et sœurs, this is a special time. Nous voulons saluer également Pasteur James, qui est là avec nous. Nous voulons également saluer Sister, peut-être pour la première fois, moi, depuis Lévin, me retourner, Sister Louise, nous comptons. Et la famille Jésus-Mède, nous comptons. L'Éternel est bon, n'est pas vrai? No turning back. Avec Jésus, we moving forward. C'est pas vrai? We moving forward because we are going forward, upward, not downward. Ça veut dire que nous devons quitter le regard, nous fixer en l'air. Et je dis, nous voulons remercier spécialement et département des jeunes de cœur. Sister Katia Ola, elle est là, oui. Un monde qui a fait programme et puis le caché l'antique comme ça. Nous comptons pour nous capables avec vous, avec le département des jeunes de cœur, pour nous capables de parler jeudi. Hein. Nous croyons le temps avancé puisque nous avons étude cet après-midi. À quelle heure? 3 heures. Les 28 croyances fondamentales, nous avons étudié pour nous capables de comprendre. Qu'on est que ce n'est pas une étude n'a fait, ou prendre participer tout, et il faut avoir un petit cahier pour prendre note, pour marquer verset ou pour lire, parce qu'il faut qu'on compte au campé. Pas vrai? Ou bien qu'on compte au campé. Et nous voulons remercier au côté jeunes de cœur qui l'a assemblé. Combien de jeunes de cœur nous gagnons? From 65 to 9. Amen. Ok, moi, frère Olex. Ok, jeunes de cœur nous t'es doué devant, oui. Sacrivé souvent, nous apprécions le département ça en pile. Sacrivé souvent, c'est Mounsao qui commençait.
Et là, au fin grand monde kounye, il y aurait été long rang arrière comme si yo pas existé. Vous comprenez ça? Et pourtant, moun sa yo, c'est une source de bénédiction yo à la gloire de Dieu. Nous apprécions, nous disons que c'est le plus gros département. Pas besoin de faire jalousie, non, l'autre département. C'est le plus gros département nous avons l'église dans, oui. Parce que c'est le département qui a un commandement qui est attaché une bénédiction. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et bien, après, j'ai pris ça. On allait rapidement, nous pas utiliser un auteur qui est Eric Erickson. Je trouve qu'il est important qu'il prenne parler nous. N'a prend aujourd'hui, il y a qui parle plus que lui, mais c'est lui nous considérer parce que il a en pile considération. Qui prend parler nous de 8 steps du développement de l'homme. 8 stages of human development. Et nous prenons le comprendre. That is the text. We read it. We're not going to read it. I see my give him one. Okay, well, let me see. Are we not? 8 stages. Let's read the text back again because we read it. La parole de Dieu déclarée dans Esaïe 46, verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Dieu ne change pas. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Et je le fais, et je vais encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Notre Seigneur et notre Dieu, tu es un Dieu d'amour, un Dieu fidèle, qui a un amour éternel. Nous disons merci pour ta grâce, pour tes bienfaits, manifestés en faveur de chacun de nous, spécialement en faveur de nos parents, les personnes âgées, alors que tu les as gardés, tu les as fortifiés, et tu es toujours fidèle pour tout ce que tu as fait pour eux, pour leur génération. Nous disons que ton Saint-Nom soit béni d'éternité en éternité. Nous demandons capable de mettre dans la vie un sens des valeurs, faire qu'on est important, parce qu'on est avec eux, et yon sous yon, ou soutenir yon jusqu'en dans l'éternité. Gardez-vous en ta paix, en ta grâce, et béni département et collaborateurs, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Erickson, parlez-nous des 8 stages of human development. Combien de monde nous est sur le screen là? Ou est-ce qu'on est sorti pour arriver? Quand on sortit, c'est pas vrai? Et dans chaque stage, ça y est, ça important pour nous. Nous prenons les caractéristiques de stage ça y est avant d'arriver côté ou arriver. Message là, it's not only for the adult or senior citizen, but for the pour parents. Pour jeunes moun qui pral faire ti moun. Pour nous capables comprendre ti moun yo, parce que développement yo, de berceau jusqu'à l'âge senior citizen, c'est important dans la vie pour nous comprendre. 8 stages sa yo, li parle de premier stage là, li parle de confiance versus méfiance. L'âge là, c'est l'âge de 1 à 2 ans. Confiance et méfiance. Il dit nous constate que à l'âge de 1 à 2 ans, en tant que bébé, nous nous demandons si nous pouvons nous fier à notre environnement, s'il est suffisamment sûr, environnement nous. Nous apprenons à nous fier aux premières personnes que nous voyons généralement nos parents. Si nous expérimentions de la peur, notre cerveau est affecté et nous pouvons douter de l'avenir. Qui ça veut dire par là? Jean ouais Timoun ça a accouché, hein? Autant dit que pendant le bébé comme ça, l'aile crier, si c'est grand goût ou l'être besoin, et puis maman, bon côté l'an, couru, vini côté l'an, lui développer confiance dans le monde ça.
Pour quelle raison? Parce que moun sa a bal attention, moun sa a prend soin de lui. Mais si elle crie, maman prend un pile temps, ou bien elle dit bon, elle sort manger, elle pas occupé, elle crie, automatiquement, elle vient développer la caille moun sa, on sort de méfiance, parce que lui ouais moun sa a pas prêté attention à elle. Même les petits moun nan piti, l'a cherché attention. Lui faire confiance, yo dou comme ça que yo petit moun comme ça. Thank you, elder. I don't use to look at that. I have it closer to me and I look at over there. Thank you. L'el petit comme ça, lui faire confiance à mon nom. Sou pour un petit bébé, ou mettez l'en l'air là. Ou longez mon balou, dit le voler. Lui, ouais, c'est pas maman, c'est pas papa, lui pas voler, vin jouer. Mais l'el garde, lui, ouais, c'est maman ou bien papa, ou bien moun qui toujours prête l'attention, qui joue avec elle, qui kèr pou li, li pa gade rien encore la voler parce qu'il faut confiance, li konnen pa plase le mouri. C'est pour te ça lorsque ti moun sa li même, yo dou li vin fò confiance parce que ou prête attention à li même. Mais pour anticiper puisque nous pa vle rete longtemps, là nous pral wè stage ça yo développement ça, yo fò konnen également développement ça yo. Yo pas arrêté dans l'âge là vraiment parce que yo qu'on exercer dans l'âge avancé également. Pour qui ça nous dit ça? Yo moun qui ensemble avant l'église là, qui prête attention avant, qui prend soin de vous, ou pas faire confiance? Ou capable connait mon wel rencontre avec comment il prend soin de vous, comment moun nan paye attention à vous-même, laisse ça faire moun nan confiance. Ça veut dire que là nous fait cela, nous effacer la méfiance. Nous devons nous faire confiance les uns les autres. Et mieux d'où l'on l'a ça, si moun ne ka prendre faire moun sa confiance nan, li vin trust personne sa, li capable rely on that person, li pa pè rien les loi personne nan, li konnen gen sécurité. La clé pour le développement du bébé est sa maman qui est près de lui et répond à ses besoins physiques et émotionnel. Clé de sécurité pour tout le monde qui est lié. Maman, qui connaît besoin physique, elle besoin manger, elle besoin manger, elle besoin l'être, et elle besoin caresser le tout parce que tout le monde a besoin d'affection. Laisse ça, lui lever depuis tout le monde, non seulement la fort confiance, ou à 20 ans mille, elle commence grand, ou à capable de protéger dans la vie parce qu'elle a parlé avant franchement, parce qu'on était veillé avec elle. Deuxième stage, lui parler de nous, c'est initiative versus guilt. Il dit que autonomie versus doute. De 2 à 4 ans, pendant que Timoun ça a pleuvé, lui voulait prendre initiative. Ah, mais il saute. Ok. Initiative. De 2 à 4 ans, qui ça va faire là? Combien de gens avaient le côté de mettre ça là? Ça veut dire que lui besoin prendre initiative pour le connaître que lui pas obligé de dépendre tout le temps de monde, lui qu'a fait certaines choses pour compte lui. Des fois faut bailler petit monde non sorte d'indépendance pour le capable apprendre parce qu'il prend arriver long là dans la vie, c'est lui prend seul depuis de 2 à 4 ans ou commencer exercer ça. Ou elle a joué comme ça, lui senti lui seul. L'autonomie on dit que durant la jeune enfant nous expérimentons notre corps et notre environnement. On se demande, est-ce que c'est OK d'être moi-même? Puis-je aller plus loin? Est-ce qu'elle a pris l'initiative, ça? Lui commencer à faire certaines choses, lui commencer à marcher, lui commencer à faire exercice pour contre lui. Est-ce qu'elle est capable d'aller plus loin? C'est comme si tout le monde savait explorer. C'est comme si tout le monde savait marcher. Là, elles font pas. Lui était le balancé, ils font deuxième. Et là, elle commence à faire troisième, ou elle commence à courir. Ça veut dire qu'elle a exploré, elle a aventuré dans la vie, et pour être capable de dévouer avec la vie. Ça veut dire que, jeune de cœur, nous passons dans l'âge ça. Des fois, nous passons là-dedans, nous pas jouer, pas manque de compréhension, mais nous exister. Et troisième stage, lui parler de nous, c'est industrie versus infériorité. C'est côté que tout le monde ça, c'est initiative versus culpabilité, industrie. On dit, à cet âge, l'enfant prend des initiatives. Il essaie de nouvelles choses et apprend des principes de base. Il se demande,
Est-ce acceptable de faire ce que je suis en train de faire? Est-ce que c'est acceptable ça m'a fait pour me continuer à faire si mon tap cherche initiative li? Et que se passe-t-il si je fais ça? Li questionner tête li qui ça va le passer si me fait tel bagage. Autrement dit, li praler à l'aventure si mon ça l'a développé de 4 à 5 ans si mon ça. Et si l'enfant est encouragé, il peut suivre des intérêts. S'il est restreint et trop réprimandé, il peut se sentir coupable et effréné de ses environs. Ça veut dire que dans l'âge, ça, les timons n'ont pas travail ou pas décourager ou féliciter pour ça le faire ou encourager pour ça le faire et qui ça le faire couillant, il prend l'initiative pour le faire encore plus. Ça a développé pour nous. Des fois, nous, que ça gagne? Là, nous, que timons l'a pleuvé. Souvent, nous toujours est plus facile. Ça le fait pas bon que nous, ça le fait bon. Là, nous, ça le fait bon, nous encourager, la continuer à faire ça qui est bon, la continuer à avancer, la aventurer, parce que là, ça, lui, ouais, que, puisque lui font bagarre ou féliciter ou encourager, lui, pour aller, la pas avancer plus. Si maintenant, qu'on y est, chaque ça le fait, si moun ça, ou dit, ah, nous connaissons ce qu'on s'en y est, c'est petit papa, c'est petit maman, ou vingt petit moun ça, vient sentir que lui est fait. Et là, ça, même là, en contact avec l'autre monde, ça crive pour lui. L'autre monde, depuis devant l'autre monde, il bat tout l'autre monde, supériorité sous lui, et il laisse à lui-même, il restreint, il connaît pas qu'à réaliser rien dans la vie. Ça, nous devons éviter, pour nous capables de faire petite nos valeurs, pour nous encourager, dans tout ça à faire, pour nous capables de féliciter, et laisse ça, il est capable d'accomplir des plus grandes choses. Ça, c'est stage, on va passer encore avant d'arriver dans le gène de cœur. Et cinquième stage, l'antimono, il dit que identité versus confusion. Côté antimono, lui-même, il peut identifier tête pour le connaître qui est lié, pour le self-estime, pour le connaître valeur, au lieu que pour le capable de jeter lui dans la confusion pour le connaître pas qu'à faire. On dit durant l'adolescence de 13 à 19 ans, nous découvrons nos différents rôles sociaux. Nous sommes un ami, un étudiant, un citoyen, un ado, et nombreux expérimentent une crise d'identité. Il y a plein de monde qui n'a pas identifié tête pour connaître vraiment qui est-ce. Mais dans l'âge ça, de 19 ans, de 13 à 19 ans, si nous avons cherché à connaître qui est-ce, qui ça a fait, qui compte aller dans la vie. Et à l'âge ça, il posait cette question, qui suis-je? Où dois-je aller? Qui côté m'a aller? Si nos parents nous permettent d'explorer et de prendre notre indépendance, nous pouvons trouver notre identité. Ça veut dire que si moun ça, tout en dépend de où, c'est au cap diriger dans la vie, cap dire tout ça pour le faire. Il faut que j'aime qu'à comprendre s'il qu'a pris initiative, qui ça le fait dans la vie. Soulevons ti moun comme ça, la fin grand monde. Le style pas qu'à prendre décision pour qu'on dans la vie. Et vaut mieux que yon ti moun prend décision, on moun prend décision, li fèl nan décision, li capable à prendre de li que ou pas jamais quitter le prendre décision. C'est ça que fait. L'a pas apprendre prendre décision. A yon girl, yon boy, y a grandi, ça crivé. N'importe moun qui paraît sur eux, c'est comme si même si moun nan pral remave, c'est li prend décision pour lui. Li pas qu'à défendre tête li, li pas qu'à faire rien. Et moun sa, li vin senti li misé, li misérable. Laisse à moun sa vin senti li confus, parce que li pa konnen ki sa le ka fè de bien vrai, ki décision le ka pren, ki fè valeur li. Ça veut dire que kounye a, la vie ti moun sa li troublé, parce que li vin confusion dans la ville. Yo dou que faut quitter li pour le capable prendre initiative pour le capable chercher la ville. Et de sixième stage là, li dit que intimacy versus isolation. Ouais, il kembeme, li besoin de compagnons, li besoin de relation parce qu'il a cherché bagay ça. En un mot, l'homme en général, il n'est pas créé pour l'iso. Il n'est pas bon que l'homme soit. N'est-ce pas la parole de Dieu? À cet âge, tout le monde a cherché intimacy, l'a cherché relation. En tant qu'adole, nous comprenons mieux qui nous sommes. Et nous conservons les relations qui nous en conviennent.
En se demandant, peut-on aimer? Faut-il s'engager à long terme? Si nous ne sommes pas capables de créer des relations intimes, nous pouvons nous sentir seuls et isolés. C'est comme si Timoun n'a pas jamais des amis. Au lieu qu'on formule pour faire connaître qui monde qui casse un monde, et ça, on a mis, vous dit. Comme nous comprenons, l'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. Ou pas obligé de faire confiance à tout le monde, mais il faut qu'on développe une relation pour des amis. Parce que le monde s'apprend à vivre long l'âge, il faut qu'on apprenne à choisir pour connaître qui monde qui vit dans la ville. Ça, on sait différents stages, nous encore dans la vie humaine qui a développé. Jusqu'à ce que nous restions à l'âge de 20 à 40 ans. Moun sap chercher développement à l'âge de 20 à 40 ans. Et en tant qu'adulte, l'ap chercher relation, c'est là ça moun sa li pral la marié, li pral commencer un foyer et moun sa parce qu'elle t'est passé premier stage, moun sa c'est moun qui gen initiative, moun sa c'est moun qui ka prend décision, moun sa c'est moun qui ka fait tête li confiance, c'est pas moun qui pral bal valeur, li gen les valeurs intrinsèques la kaili, l'ap grandi avec yo et l'ap respecter tête li et l'ap faire moun respecter. Et le septième stage là, on dit que septième stage-là, c'est générativité et versus stagnante. Ça veut dire que c'est à l'âge de 40 à 64 ans. De 40 à 64 ans, eh bien, lorsque ça, moun sa l'après le rechercher dans la vie, pour le connaître, le toute salité fait dans la vie, est-ce qu'elle est capable de prendre l'initiative? Il dit, lorsque nous atteignons la quarantaine, nous acceptons qui nous sommes, nos forces et nos limites. Nous prenons du recul et nous voulons contribuer pour la société. Lorsque l'arrivée dans l'âge ça, de 40 à 64 ans, nous avons déjà fini d'accepter ça lié, c'est ça lié. Nous connaissons qui ça a réalisé, qui ça a fait, et nous avons fini de faire tête de confiance. Nous n'avons pas laissé le tromper par personne, nous encore. Et maintenant, nous devons arriver là où nous sommes aujourd'hui. C'est de 65 ans jusqu'à la mort. Et de là, nous parlons de nos jeunes de cœur qui passaient les étapes dans la vie. Ça, c'est un monde qui décidait, qu'on n'y a qu'à réfléchir. Oh, ça a été réalisé dans la vie, il fait être confiance. Moun ça, c'est un monde qui connaît le pas qu'à faire bac encore. Il compte qui est lié. Ce n'est pas un monde qui peut avoir la valeur. Ou même qui déjà dans l'âge, ça a de 40 à 64 ans. Vous faites pour faire confiance, ou évaluer tout, ce n'est pas le monde qui peut évaluer. Ça a accompli ou accompli déjà, il n'est pas vrai. Ou compte qui est souillé ou pas quitter le monde de tout. Et huitième stage là, this is today, des personnes de 65 ans jusqu'à la mort. Et notre texte dit, l'Éternel nous fait confiance jusqu'à la mort, là pas avec nous, il n'est pas vrai. Et il dit que c'est intégrité versus dispère. Et il dit que c'est égo, maturité versus maturité. Lorsque mon apprend qu'on est tête et maturité dans la vie, on dit à cet âge. À mesure que nous vieillissons, nous prenons du recueil et regardons derrière nous. On se pose des questions comme « Qu'est-ce que j'ai accompli dans ma vie ? Suis-je fier de moi ? Suis-je fier de moi ? Ai-je des regrets ?» Lorsqu'on arrive dans l'âge, ça, c'est un âge où capable de dire « No turning back », moun sa a campé pour le dire à un jeune de cœur, qui ça nous réalise dans la vie nous ? L'on pose cette question ça, qu'on y a retourné ou regardé génération de 64 ans, à jusqu'à la mort ou gétagé peut-être combien génération ou a gardé petit tout ou a gardé petit tout ou a gardé qui sont fait pour l'école qui éducation te baio comment te prend soin de yo comment te toujours campé pour yo laisse ça réaliser tout ça te fait ou pral fier de tête ou. Mais si l'on regarde ou est que kounye hein nous pral comprendre gien des grands monde qui vivent yo vivent des fois dans la tristesse ou konn pou ki ça. Parce que là, ils été après. Même là, ils n'ont pas tant de lectures ça, ou ça, l'écologiste, là, t'as parlé. Mais pourtant, ils ont une valeur intrinsèque dans la vie. Ils ont examiné la vie pour compte.
yo connaît l'évolution yo, qui ça a été fait bien, qui ça a été fait mal. Et là ça, yo pral gen remords, yo pral gen regret et c'est là ça, yo pral vivre une vie triste. Mais lorsque nous un monde ça au bon côté nous est au triste, il est important pour nous approcher yo pour nous connaître qui ça qui problème yo. Qui ça cap traverser yo parce que là ça, c'est l'âge de réflexion pour retourner en arrière. Pour voir si vous êtes capable de vivre dans la joie ou bien si vous vivre dans le regret. Mais je vous dis, même si vous faites une erreur, ou pas de faire ça pour te faire, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ou comment dire, bon Dieu, pardon pour ce pas de faire, mais pas vivre dans la tristesse, vivre dans la joie. Et si nous sommes au bon côté, nous-mêmes qui les adultes, qui là, ou bien les jeunes, si maman ou bien papa te font erreur, des fois qu'on nous a gagné cap, qu'est-ce maman, qu'est-ce papa pour éducation, pour recevoir, pour ça, pas de fait. Si ça a passé déjà, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas vivre avec eux. Pendant que nous vivons là, ça, on nous baille toute attention que nous devons baille, parce qu'il est dit que honorer maman ou papa nous pour nous capables vivre longtemps. Je me rappelle comme ça. Des fois, toutes choses qu'on croit bien de ceux qui aiment Dieu. Il y a une dame qui est very strong. Elle est very close avec elle. Elle est toujours à cause papa. Parce que papa a des moyens, mais papa n'a pas de faire toute éducation. Elle a cause papa. Mais c'est un monde qui a un poignet de fer. Peut-être avec un main de velours, je ne sais pas. Et je suis avec un monde dit que ou pas de cause papa. Mon personnalité. Je dis que il y a des choses qui arrivent dans la vie ou par contre pour qui ça arrive. Et moun sa son moun qui te gen tout accès dans tout gouvernement. Je dis bon, si ou te arrive côté pour dire on va t'appeler toujours non. Si ou ta ka wè moun nan qui fait me parler avec comme ça nous te gen franche communication, c'est un moun moins na kasan ka mesi ou. Li pa prend rien pour rien son moun qui gon poignet de fer. Je dis que pas que ce papa ou. Parce que ou t'as guetté dans le gouvernement, ou t'as dans toute position, pas comme ou t'as existé, ou pas même comme si, ou t'as guetté en faire connaissance à Jésus-Christ. Plus grande éducation, yon moun ka gagné, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de Dieu. Et, Aïchou la acknowledge, m'batoué, m'dap gade, m'batoué si frère, si vous là, non, for your preacher, may the Lord continue to bless you and your family, ok? Your preacher. Oui, ainsi, chers frères et sœurs, après avoir dit tout cela, nous savons que en tant que peuple de Dieu, ce qui nous intéresse le plus, c'est la parole de Dieu. Retournons à notre texte. Dans Ésaïe 46, verset 4, la parole de Dieu déclare, jeunes de cœur, nous, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je voulais voir où on est. Bon Dieu nous a pas changé. Bon Dieu a soutenu. Bon Dieu a pris soin de vous. L'eau besoin seulement, c'est que oui, à l'éternel. Pas vivre dans la tristesse, pas vivre dans la peur. Si tout le monde cap pompé, je dis, si vous t'a metto long rang écarté, qu'on est que si y a pompé aujourd'hui, c'est parce qu'on est là pour vous, c'est pas vrai? C'est pour fier de sortir accompli. Parce que bon Dieu, ou l'a toujours rappelé de tout ce qu'on a fait, et bon Dieu a toujours soutenu, bon Dieu a pris soin de vous. Il dit, je le fais, et je vais encore vous porter. Vous soutenir, et vous sauver. Qu'en dépit de tout, bon Dieu avait. Bon Dieu va pas abandonner, bon Dieu veut soutenir et bon Dieu dit livrez so, sauvez-vous. Et lorsqu'on avance en l'âge, on dit que avancer avec les cheveux blancs yo, c'est une couronne liée pour vieillesse. Dans Luc chapitre 12, si tu gagne, non pas gagne tableau aujourd'hui, on a pas obligé quitter un peu verset, mais on a retourné une autre fois. Il dit dans Luc chapitre 12, verset 7, il dit que, et même les cheveux de vos têtes sont comptés. L'Éternel d'où la prend soin de vous. Les cheveux en tête sont comptés
et les cheveux de vos têtes lui représentent comme des couronnes pour vous. C'est ça que fait à young people. You need to listen to your parents, your grandma, your grandfather, because they have some experience in life. They can save your life. They can help you. But you need to care about them. You need to love them. You need to support them and to be there for them, because the eyes of the Lord is upon them. The Lord will never forsake them. Bon Dieu a toujours avec eux, ou même sous besoin de recevoir les bénédictions de l'Éternel, montre-yo honneur, montre-yo l'amour. Si yo l'encaillou, et m'pat vle défini, Lord défini word presbytos pour adulte, li bon moun ki avanse en âge vieillard. Mais li di on l'autre mot, m'pat vle répéter, mais m'pat vle quand même pour m'ka mette en garde. Li gon mot là-dedans qui dit des fois, li traduit par vilain tout. Ça veut dire que sous grand monde, pas fait tête ou passé misère, sous l'encaille, c'est avec petit touillé, ou fin grand monde déjà, ou fin fait tout ça pour te faire, si vous voulez vivre dans la paix, pas entrer dans la fête de mounio. C'est pour bien-être, oui. Bayon conseil, si vous voulez prendre, quittez-vous, prendre, et avancez. Si vous ne voulez pas prendre, mettez-vous à genoux, dans le chambon, priez pour vous. Quitter yo évoluer, quitter yo vivre, parce que nous connaissons, elle parle de vilain, gon bon monde qui fin grand monde tout, yo pas jamais vle mettre à terre. Yo té jeune, yo té gen vigueur, c'est yo commandé, yo rentré dans caï moun yo vle commander tout. Sou al fè ça, c'est tête ou mettre en problème, parce que l'ancien n'a vivre là, grand monde commander caï yo ou là avec yo, pas rentrer dans certaines choses kounyan pour faire yo vinn rendre vie ou malheureuse. Ce conseil nous obligé bail li. Parce que nous connaissons tout ça qui arrive. Ou quand la maison ou pas à l'aise, mais c'est parce qu'on ne pas prendre son tout. C'est pour qu'on ait. Yo bon chambou, mettez le chambou. Si yo relo dans l'autre chambre là, allez. Yo bon kailan, pas bay commande. Si vous avez un conseil sage pour bay li, mais affaire ou ap impose ou ap commande, pas mettre tête ou la misère. Comptez bien vieux jour yo, pour capable descendre dans la joie et dans la paix. C'est pas vrai? Pas mettre tête ou la misère, parce que nous connaissons tout bagage, ça existe tout. Ou l'en kaye la ou bon chambou, oh, ou voulez contrôler tout kaye la, ou te grand moun, ou te gen kaye pour. Ça, c'est kaye petit tout. C'est pour bien être tout, parce que moi, il faut me parler avant, pas vrai? Pas mettre tête ou problème. Gen des problèmes ou gen, c'est ou créer tête ou. Parce que moi, en tant que pasteur, si moi, nous en dans kaye la, ou empêcher moun yo vivre, m'ap toujours ba au conseil, chachon côté, metto pour en paix. Pour vivre en paix eux-mêmes. M'pa pral dou rete en dedans calan et puis rendre la vie aux misérables pour pas sauver. Ça veut dire que eux-mêmes ou doit sage, parce que âge là également les symboliser là ça la sagesse, l'humilité. Ça veut dire que faut vivre avec sagesse, faut vivre avec humilité, faut respecter petite là c'est petit tout lié vrai mais il rive le grand monde qu'il y a qui t'elle vivre. C'est pas vrai? Et pas tant de vle tende, mais si m'ba dit, m'a péché, pas vrai, parce que m'ba vle ou vivre triste, l'encaille là. Pour dire, oh, petit ça même, il paraît. Non, mais m'a toujours dou, même s'il dégoûte l'encaille là, bal tout respect. Ou, mais l'on bal respect, hein, ou pas obligé de quitter le fait madame là, parce que misère, ni mari en passe misère. C'est pas vrai? Pas quitter le fait, ni l'autre passe misère, de grand moun yo supposé vivre, c'est pas vrai? Kounya a gon affaire bon seigneur citizen, y a besoin non ou m'yo metto. Mais si vous arrivez à rester contre petit tout, vous en paix. Pas vrai? Bon, il y a des gens qui m'attendent des sons qui parlent. Je me dis, Seigneur, si tu es un pas moi qui dîner, si vous non, même dans l'île. Pas quitter à déposer, parce que vous avez aimé, oui, pas vrai? Oui, chers frères et sœurs. Vous dites, dans Job chapitre 12, verset 12, il dit, dans les vieillards se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. Là où grand monde, où tu as supposé grandir ça, sagesse. Ou pas quand tu es désordre ou tu es grand monde ou désordre encore. C'est quand tu as dit, pas ça me dédouvine, dit mon Dieu. Même pas obligé de dire, c'est quand tu as dit, ou non, c'est pour bien-être tout. Si tu es mon ou tu es désordre, gon là où il ne faut pas qu'il y ait désordre encore. Faut que c'est sagesse pour gagner. C'est pas vrai? Sagesse. Bah, conseil, prier. Et je vais venir prier avant, je vais montrer le grand monde là. Et n'a pas avancé pour nous aller. Et dans Deutéronome chapitre 32, verset 7, il déclarait:
Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années. Génération par génération, interrogez ton père. Il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te diront. Ça veut dire que là, lorsque grand monde en d'accord avec nous tous, nous, en tant que jeunes, faut nous prendre avantage. Des fois, faut nous prendre un petit temps, nous chita, nous causer avec eux. Yo ka instruit nous de la vie passée, d'un paquet de bagages, pas vrai? Même là, l'école, on fait histoire, tandis que grand monde en d'accord, on passe toute carrière, on raconte toute histoire, puis dans le livre. C'est pas vrai? Faut nous chita des fois pour nous tendre. Li bon, peut-être nous tout le monde qui pas grand pile temps, même qu'on remet tendre les grands monde à parler, à raconter la vie, pas vrai? Yo capable bon en pile conseil, en pile sagesse qui ca épagne dans pile bagaille. Je dis yo, for our young people in that age, they understand that they know better than anyone else. That's not true. The technology in advance, they show you so many things. But what they learn from the past that can save you from so many trouble if you learn from them. You may know many things. You know, avec technology, on peut s'activer kounya, tout ça yo konnen, yo vle explorer ça ou pa prendre conseil. Et là ça, technologie qui développe yon, ou konn pou ki ça le développe yon, pou capable restreindre nous. Tout ça nous ta doit faire, li fait pour nous et puis nous même nous rete nous pa konnen. Et puis yo dou c'est smart. Smart. OK. Smart, c'est l'on learn something et you be able to transmet it to someone else. C'est pas vrai? Mais si vous avez quitté la technologie et le bon, pas qu'on est que nous pas besoin de grand monde, vous là pour être capable de conseiller nous bien des choses. Et si, il est dit dans 1 Timothée 5, verset 1, il y a un conseil. Il dit, ne reprimande à nous, ne reprimande pas rudement le vieillard. Même là, au fond bagay, par reprimande yo, rudement ou bien avec énervement, parler avec yo avec sa sagesse. Mais exhorte-le comme un père, comme une mère. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Nous même qui fin grand, yo dit pour reprimander nous avec respect, mais nous même là n'a pas exhorter petite nous, exhorter yo également comme si c'était un frère, nous, un soeur, nous, comme des adultes également pour nous bailler au respect. Pas vrai? Ainsi, chers frères et sœurs, oui, nous devons conclure. Nous quitter quelques versets qui sont capables de répliquer volontairement. M'bralban nous, chers senior citizen. Parce que nous ne disons pas grand monde, nous disons senior citizen. Pas vrai? Jeune de cœur. Dans Apocalypse, chapitre 4, versets 9 à 11, écoutons la parole de Dieu. Devant le trône de Dieu, il est dit ici, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône et à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et il adorait celui qui vit au siècle des siècles. Au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Devant le trône de Dieu, les vieillards nous prosternés et abaillent bon Dieu gloire. C'est où nous l'église, non? C'est pour nous toujours être l'empire bon Dieu, à bailler bon Dieu gloire, et n'a privé devant le trône de Dieu. N'a pas capable d'adorer pour le temps, pour l'éternité. Ça, moi, je voulais conseiller nous dans l'église, là. Lorsqu'on voit l'église en difficulté, nous-mêmes qui les vieillards, ou bien les personnes âgées ou jeunes de cœur, c'est une source de bénédiction pour nous tailler, c'est pour nous rentrer, nous la prier pour l'église, là. Nous, pas énergie, nous, l'église, là, lorsque nous sommes jeunes, cougnant, c'est le temps que l'église doit prêter attention à nous. Pour yon bon cœur pour nous, même Jean, département jeune de cœur a fait, nous important dans l'église. Même Jean avec tout le monde qui l'église. Ça veut dire que nous sommes devant le trône de Dieu. Les 24 vieillards, ça veut dire que ce sont des personnes respectueuses, des personnes
qui a adoré bon Dieu en toute fidélité, en sincérité, devant le trône de Dieu. Nous, les jeunes de cœur, venons pour nous comme Jésus, bon Dieu a dit que là pas avec nous jusqu'à ce qu'il est capable de sauver nous. C'est pour nous capables de vivre une vie paisible, une vie tranquille, une vie dans la joie, une vie dans la paix et nous préparer nous à la prière. Et lorsque Jésus est capable de retourner, nous avons un privilège pour nous arriver devant le trône de Dieu, pour nous capables de demeurer avec elle, pour le temps et pour l'éternité. Que bon Dieu capable de bénir nous. Et le dernier verset, nous joignons c'est Apocalypse 5, nous appelons le pour vous et nous fini là. Il dit, quand il veut, quand il eut pris le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ça veut dire que colonne jeune de cœur ça yo ou vieillard ça yo devant le trône de Dieu c'est les prières des saints. Kounia c'est au capitaine intercédé qui a présenté prière des saints yo devant le trône de Dieu qui ça fait y a bail bon Dieu gloire à l'église Mont des Oliviers. Nous dit que nous devons bail valeur à jeune de cœur nous yo personnes âgées yo mais nous demander également. Si nous voulons bénir, jeunes de cœur, nous devons bénédiction pour l'Église. Nous devons rester toujours dans la prière. Nous devons, côté qui a une discorde, nous rechercher la paix. Côté qui est capable de division, nous chercher la réconciliation pendant que nous avons du respect. Et lorsque nous vivons cette vie, eh bien, comme bon Dieu a déjà dit, l'a sauvé nous parce qu'il a pas avec nous, l'a soutenu nous. Et lorsque la trompette l'a sonné, nous ne pouvons pas parler des jeunes de cœur encore parce que nous tous avons même bagaille. Nous pourrons vivre avec elle pour le temps et pour l'éternité. Pas bien l'âge compter encore. C'est venu pour nous. Et que bon Dieu continue à garder nous. Que bon Dieu capable de fortifier nous. Nous connaissons lorsque l'âge avance, des fois, il y a une douleur. Mais pas décourager parce que bon Dieu avant. Pas vrai? Pas décourager bon Dieu avant. L'a soulager nous. Nous demandons pour soulager la douleur pour nous. Pour le faire nous persévérer jusqu'à la fin. Afin que nous capables devant son trône. Et nous va adorer nuit et jour avec les rachetés de tous les âges. Et cela, souffrance nous va finir, tribulation nous va finir, nous va dans la joie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.